Depuis 9 ans, la France a fait du 25 septembre une journée d'hommage national aux harkis parmi les cérémonies du jour. Cette image en Ariège, à Montoulieu, une vingtaine de familles harkis s'étaient installées vers 1964 dans le hameau de Ginabat. Ils avaient d'abord été employés à l'entretien des forêts. On va entendre une fille de harkis qui a été décorée aujourd'hui de l'Ordre national du mérite. Elle attend plus que cette reconnaissance, certes nationale, mais plutôt tardive. C'est un honneur, une distinction de cet ordre national. Mais c'est sûr que la France peut mieux faire. Surtout, comme je l'ai dit dans mon discours, lorsque le président actuel, M. Nicolas Sarkozy, s'est engagé le 31 mars 2007 solennellement à reconnaître la responsabilité de la France dans le massacre et l'abandon des harkis en 1962 n'est toujours pas concrétisé, toute la communauté harkie est à nouveau meurtrie, 48 ans après.